Good morning, allez, il y a des choses aujourd'hui, les Lunishmat, François Fadji Ben Khana, Janine Ruth Batfortune, Madal Fritna, et Claude Shlomo Ben Shalom, si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Nemcha, qu'on était 5 minutes éternelles, nous étions à Sekhet Gilushin, Père Gimel, Mishnah Yud Gimel. Rabbi Tarfan Omer, Yecholin Mamzerim, Lita Her, Ketzad Mamzer, Shenasa Shifra, Avalad Aved, Shichrero, Nimsa Avel Aben, Ben Chorin, Rabbi Yezer Omer, Areze, Eved Mamzer. On a ouvert dans la mishnah précédente le sujet des relations, des mariages avec des mariages à problème pour définir est-ce que la souche défectueuse continue chez les enfants. Ouais, vous vous rappelez, un juif qui se marie avec une mamzeret, un kohen qui se marie avec une divorcée, ils vont dans un halal, ce halal qui se marie avec quelqu'un d'autre, jusqu'à combien ça va perdurer ces problèmes. Et on avait vu un grand problème, quelqu'un qui est très triste. Quelqu'un qui est né d'une relation interdite, c'est un mamzer. Celui-là, le pauvre, parce qu'il peut se marier avec presque personne, il ne peut pas se marier avec une bâtisse Israël. Il peut se marier qu'avec une convertie ou une mamzerette. Maintenant, les convertis, en général, ils vont éviter de se marier avec des mamzerines, parce que bah, sinon, il va avoir le problème qu'ils vont se répercuter chez les enfants, ça ne vaut pas le coup. Donc, ils vont s'empêcher, ils vont éviter de se marier avec une. Avec des mamzerines. Donc en fait, un mamzer, il est très très bloqué, il se marie avec presque personne. Et en pire que ça, avec qui il va se marier, même s'il a trouvé une convertie qui va accepter, qui va lui céder, et qu'eux ensemble ils vont se marier, ils vont avoir des enfants mamzerines. Et ces enfants-là, ça va. Alors sur ça, on a Rabbi Tarfon qui va nous apporter une solution. Rabbi Tarfon Omer, Yecholim Mamzerim Litaher. Rabbi Tarfon, il a une solution pour que les mamzerines, ils vont pouvoir purifier leur descendance, leur souche. Keitzad. Malheureusement, c'est plus tellement applicable à notre époque. Mais, Ketsad, Mamzer Shenasa Shifra, un Mamzer qui va se marier, si on peut dire, parce qu'il ne se marie pas avec elle concrètement, ça ne devient pas sa femme, mais en tout cas, qui va entretenir une vie conjugale avec une servante, Goya, qu'il achète, Avalad Aved, que l'enfant va être esclave, et après, Shichrero, et s'il va la libérer, alors Nimsa Aben Ben Chorin. Il s'avère que maintenant le fils, il a été libéré, et puis il n'est plus Mamzer, c'est-à-dire, j'explique très simple. Et là, c'est là où ça devient quand même un petit peu avantageux de faire des bêtises dans la vie, si je peux dire. Imaginez, on avait appris dans la mission présente qu'un juif qui se met avec une Goya, les Kiddushin ne prennent pas. Si les Kiddushin ne prennent pas, l'enfant qui va naître va être Goy. Imaginez maintenant la situation, un Mamzer qui se marie avec une Goya. Il va vivre avec elle, il va avoir 5 enfants avec elle. Et du jour au lendemain, maintenant, ils vont tous faire tchouva, Donc en fait, les enfants ils sont goy pour le moment, donc ils vont tous se convertir aussi, et ça va devenir des sadikim. Ces sadikim là, c'est des pures souches, on a le droit de se marier avec eux. Parce que c'est des convertis, ils ne sont pas du tout mamzer. Vous avez vu le truc? Maintenant, c'était interdit de se marier avec la goya. À la différence du cas où la servante. La servante, elle a le même statut que la goya. Vous voyez, une servante qu'on achète, c'était à l'époque où il y avait l'esclavage, on achetait des esclaves chez les goyim, et on leur faisait la villa ben migvé pour devenir des esclaves. Affiliés, apparentés aux juifs, même s'ils n'avaient pas un statut juif, ces esclaves-là, on ne pouvait pas les marier. Les Kiddushin l'autopsie, c'est comme la Mishnah nous disait à la fin, la Goya, elle a le même statut que la servante, mais avec quand même quelque chose de particulier. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une servante. D'accord? Quelqu'un a une servante à la maison, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle, quoi que ce soit. Ouais, c'est un interdit de la Torah, le Yekadesh Israël, le Yekadesh Israël, c'est un interdit. Pour le Mamzer, il a le droit, lui, d'avoir des rapports avec sa servante. D'accord, étant donné qu'il a plus de. Il n'a pas de souche, le pauvre, il n'a pas de souche à préserver. Donc du coup, s'il a des rapports avec la servante, et qu'il a des enfants, eh bien, les enfants qu'il va avoir auront un statut d'esclave. Il a des petits esclaves. Et si ensuite il libère les esclaves, lui, ou bien l'esclave de la servante de quelqu'un d'autre, ça ne change pas. Alors, dans ce cas-là, les enfants qu'il va avoir, ce sont des enfants affiliés, tant bien que mal, à lui. Qui sont concrètement, biologiquement ses enfants, mais ils ne sont pas du tout affiliés à lui, ils sont affiliés à la mère, donc c'était des esclaves affranchis, puis maintenant, ils ont le même statut qu'un converti, qui n'a pas du tout de problème de mamzerout. Il est plus bâtard, il est comme un converti. D'accord? Donc en fait, c'est ce qu'il nous a dit Rabbi Tarfon, qu'elle a la halakha fixée comme Rabbi Tarfon. Même si concrètement, c'est plus tellement vigueur, parce que les esclaves qu'on a achetés, même quand l'esclavage qui était en vigueur, on ne leur faisait pas tout le. Je crois pas qu'on leur faisait tout le statut de les tremper au mikvé et tout ça. On leur, juste on les achetait, ça devenait un bien, mais
D'accord? Mais, donc c'est la solution qu'il propose Rabbi Tarfon pour purifier la souche des mamzerim. Et sur ce, on a Rabbi Eliezer qui nous dit non, pas du tout, ça sert à rien ton histoire, parce que Arezé Eved Mamzer, selon Rabbi Eliezer, il nous dit non, pas du tout. Le pauvre, ça va être un esclave mamzer, il aura deux problèmes maintenant. Dès qu'il va avoir maintenant un père mamzer, il va être à la fois esclave, à la fois mamzer. Rabbi Eliezer a une raison spéciale qui va selon le psoul des deux, mais la halakha n'est pas établie comme Rabbi Eliezer, et donc, plutôt comme Rabbi Tarfon, que concrètement, les mamzerim peuvent se purifier, purifier leur touche. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlachakot, tout ça là.